Mesdames les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous voilà enfin arrivés à l'été. Donc, eh bien, écoutez, nous allons faire les énergies de l'été. Donc, on va faire comme d'habitude. Nous allons prendre les énergies signe par signe. On va aller un petit peu vraiment dans le général, dans le travail et puis dans le sentimental. Bien sûr, je garde de la distance. J'essaye de prendre les choses de loin, car si j'affine un peu trop, du coup, vous ne serez pas tous concernés par les tirages. Et du coup, c'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément son message. Donc là, vraiment, on va aller sur des domaines généraux pour que vous puissiez avoir tous un message, en tout cas le plus grand nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Voilà. Pourquoi je les ai fait tardivement? Il y avait une raison, hein, je ne prends pas l'habitude de poster mes vidéos dernière minute, pas du tout. C'est parce que j'ai été faire un stage, mon troisième stage en géobiologie, hein, donc c'est la suite. Et j'aime vous faire partager mes vibrations, hein, les énergies que je ramène comme ça de mes stages. J'aime vous les partager parce que je trouve que ça ne peut que vous faire du bien, puisque moi-même, ça m'a fait énormément de bien. Donc, si je vous en donne un petit morceau, normalement, ça devrait être sympa pour vous aussi de le recevoir. Donc, voilà. Et puis, quand je suis comme ça, mon taux vibratoire, il est au plus haut. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour vous. Voilà. Donc, ici, c'est une chaîne de partage. Et je ne cesserai jamais de partager, justement, mes bonnes énergies avec vous. Voilà. Donc, écoutez, je crois que c'est bon. C'est parti, on va pouvoir y aller. Et on y va tout de suite avec votre signe. À tout de suite, les curieux. Allez, on continue avec vous, les lions. Les lions, vos énergies concernant l'été 2023. En plus, au mois fin juillet, début août, fin mi-août, c'est votre anniversaire. Donc là, on est dans vos énergies ici, les lions. Qu'est-ce que vous apporte cet été 2023? Allons voir ça. Avec l'oracle céleste. Alors là, on nous parle d'une trahison. Les lions. Merci. La direction de vie. Ah, d'accord. Vous avez peut-être vécu une forme de trahison, quelque chose comme ça, qui vous pousse à changer de direction de vie, ou une personne qui a été mise sur votre route pour que vous changiez peut-être aussi de vie. Ah ouais, d'accord. Donc là, carrément, oh bah là, il y a vraiment un grand changement pour vous ici. Ça a peut-être ici commencé en hiver. Peut-être que cette trahison a eu lieu cet hiver, hein, une problématique, hein, pas forcément toujours une trahison, mais quelque chose, il y a une difficulté ici en tout cas, qui vous fait changer carrément de direction de vie, hein. Et qui vous, il y a quelque chose que vous mettez, auquel vous mettez fin cet été. Alors on va voir ici avec le tarot justement de quoi ça nous parle. On va essayer de voir, donc pour le domaine général ici s'il vous plaît, pour les lions, pour l'été 2023, de quoi on veut bien nous parler, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces cartes là de l'oracle céleste. Qu'est-ce qui vous... Alors, on a le cavalier de pentacle. Donc, il y a bien une situation qui met beaucoup de temps à se mettre en place ou qui a commencé il y a un certain temps ici. Alors, on a le 3 de coupe. On a la justice. Ah, donc là, alors peut-être que vous avez vécu une trahison auparavant de la part de... Alors... Trahison, c'est fort comme mot, j'ai l'impression, pour cet événement. Mais bon, on va le garder comme ça, il est noté comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de toute façon, soit au sein de votre travail, soit au sein de votre vie personnelle ici. Et là, on est en train de régler. Ça veut dire ici vraiment que vous changez de direction de vie. C'est terminé, c'est derrière vous les problématiques, les trahisons, les mensonges, ce genre de choses. Et là, du coup, vous allez pouvoir avancer. Et vous avancez de manière... officiel. Avec la justice ici, on vous parle vraiment de documents, de voies administratives, d'officialisation. Donc, soit, alors ça peut être un divorce, ça peut être une rupture conventionnelle, une rupture avec, conventionnelle, peut-être aussi, une rupture avec votre vie professionnelle, avec une personne, ça peut être vraiment, même avec une maison, un endroit, un lieu, vous voyez, et en fait, vous allez
extrêmement content. Hein. Parce que là, on voit bien qu'il y a de la joie. Vos proches, votre entourage est présent à vos côtés pour célébrer, en fait, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Ouais, voilà, c'est la tour. Hein. Donc là, c'est vraiment... là, ça va. Vous n'allez pas tourner autour du pot pendant 50 ans, comme on dit ici. Vous allez, eh bien, changer de direction de vie. Ça va être vraiment, voilà, quoi, quelque part un peu explosif. Hein. Alors, même si vous avez peur, ici, vous irez quand même le faire. Hein. Ouais, parce que c'est... Je pense que c'est quelque chose qui vous fait peur, mais que vous allez quand même réussir à faire. Hein. Vous allez passer au-dessus pour moi ici. On a le roi d'épée et le diable hein, quand même. Hein. Donc là, on tranche ici par rapport à ce diable. Donc il y a vraiment ici l'idée qu'on était enchaîné à quelque chose de toxique et vous vous en libérez. Alors, ouais, ça fait peur, mais c'est nécessaire. Hein. Là, c'est une purification, hein, cette tour. Hein. C'est une purification. On rééquilibre tout ce qui a été plutôt explosif, plutôt bouleversant pour vous auparavant. Ça fait peur, mais vous y allez quand même. Vous allez dépasser votre peur. Un petit conseil, peut-être, pour le domaine général ici. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, voilà, le changement est en marche. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment faire un grand saut en avant, un mouvement en avant pour rediriger votre vie vers un autre chemin, les lions. Donc, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que vous avancez, que vous ne vous lamentez pas sur votre sort. Alors, on va aller voir au niveau professionnel ce qui sort. J'ai bien mélangé les cartes parce que j'en ai utilisé. On va regarder au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. Waouh, on a l'étoile. Pas mal du tout. Alors, allons voir un professionnel ici pour les lions. Été 2023, s'il vous plaît, les lions qui vont regarder ces vidéos. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Hein. Vous retrouvez l'espoir, hein. Vous changez de direction de vie par rapport à une trahison. Donc là, franchement, c'est impressionnant, quoi. On nous redit la même chose. Hein. Voilà, le roi de coupe ici. Vous maîtrisez votre émotionnel. Vous ne vous laissez pas absorber par ces énergies négatives. C'est super. Il y a des nouvelles envies qui arrivent pour vous en plus. Des nouvelles compétences. Pourquoi pas de nouvelles occasions. Regardez, on a encore le 3 de coupe. C'est impressionnant parce que c'est impressionnant. On vous ressort les mêmes cartes. C'est vraiment pour nous montrer qu'on parle bien de cette situation ici. Pour moi, eh bien, vous allez retrouver espoir après, du coup, vraiment une sensation de trahison. Hein. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau du boulot. On a essayé de vous entourlouper ici. Eh bien, vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas abattre. Vous prenez une nouvelle direction et vous allez vraiment faire quelque chose désormais que vous aimez. Là, il y a des gens qui vont changer de direction au niveau pro et qui vont aller vraiment vers... ce que vous aimez, il y a des nouvelles envies qui vont émerger ici. Vous êtes en plus vraiment, mais pas du tout seul. Il y a des personnes autour de vous qui vous encouragent. Il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent, que ce soit dans le domaine amical, ou dans le domaine familial. Hein. Donc voilà, il y a le changement, la route du changement, la route fortune. La difficulté, les conflits, les trahisons qu'il y a pu avoir ici, eh bien, ça vous fait... les énergies négatives ici, ben, du coup, tournent dans votre sens et du coup, là, deviennent à votre avantage. Les lions, c'est super beau
Bravo, vraiment bravo, bravo, bravo. Donc c'est vraiment chouette. Vous coupez avec votre ancienne vie et vous, vous avancez vers votre nouvelle vie qui, finalement, il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. Quand il y a des difficultés qui arrivent comme ça dans votre vie, c'est pour vous rediriger vers la bonne direction. Ça, il y a, ça, c'est vraiment, pour moi, des choses qui sont plutôt claires et j'y crois fortement, quoi. Alors, un petit conseil pour vous dans le domaine professionnel, les lions. Oula, mais ça saute, hein. Patience, on vous dit. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Si vous vivez si vous vivez ces instants, dites-vous que ce qu'il y a derrière, ça doit vraiment valoir le coup, puisqu'on vous dirige vraiment vers le bon chemin. Et c'est vraiment, bah oui, l'énergie, l'expression divine, on vous rebascule sur le chemin qui est le bon pour vous, les lions. C'est très très beau, là il y a beaucoup d'espoir pour vous les lions pour cet été. Hein. Peut-être que là au début de l'été, vous ne vous sentez pas forcément dans l'espoir, vous êtes peut-être un peu la tête dans le brouillard et encore dans vos trahisons, et ce qui peut très bien se comprendre, hein, parce qu'on est des êtres humains. Mais sachez vraiment que ça va s'arranger. Allez, dans le domaine. Bon ben d'accord. Dans le domaine sentimental, comment ça se passe? Comment ça se passe dans le domaine sentimental pour les lions? Été 2023. Ce chevalier de denier qui vous suit absolument. Non, non, c'était pas vous, c'était les précédents, pardon. Chevalier de denier qui nous dit ici qu'il y a des choses qui ont commencé depuis un certain temps, qui sont plutôt au ralenti ici. Voilà, c'est une histoire qui a commencé depuis un certain temps. Et là, on a un nouveau départ. Un nouveau départ. Les amoureux. On se positionne peut-être ici différemment au sein du couple. J'attends d'avoir les autres cartes ici. Oui, il y a de la guérison ici. Et il y a la reine de coupe. Bon, bah ici, il y a beaucoup d'amour, hein. Alors ici, moi, je sens qu'il y a des gens qui se redonnent une chance ou qui, justement, fuient peut-être ici une énergie. Avec ce chevalier de pentacle, ça peut nous dire qu'on quitte un endroit pour aller vers un autre aussi, tout à fait. Hein, on prend son armature et on part. En plus, comment dire, renforcé par ce fou qui nous parle d'un nouveau départ. On se lance dans un nouveau départ. On fait un choix aussi, un choix qui est aligné à nous-mêmes ici. On fait le choix de la guérison, on fait le choix de la paix intérieure et de l'amour de soi-même ici. Donc ici, il y a peut-être également des ruptures, des fins de relation, des changements de direction de vie et des fins de relation. C'est possible. Pour ceux qui le veuillent, bien sûr. Pour d'autres ici, ah ben regardez. Pour d'autres ici, on a aussi des nouveaux départs, des réalignements. Par rapport à vos nouvelles énergies, peut-être aussi ici, des prises de conscience, en tout cas, on est dans la guérison, peut-être qu'on essaie aussi de consolider les énergies dans son couple. Et on a la volonté ici d'être plutôt dans l'échange, au niveau, d'être dans l'empathie envers le partenaire ou la partenaire ici, et un désir d'harmonie. Là, vous mettez aussi peut-être toute votre énergie à comment dire? À faire en sorte que l'harmonie dans votre couple soit des plus présentes. Pour les célibataires ici, il est possible que vous soyez célibataire pour certains depuis longtemps et que enfin, ça y est, il y ait une connexion avec une personne là ici, courant de l'été. C'est tout à fait possible. Ça serait vraiment, en tout cas, une connexion dans laquelle vraiment, voilà, la force, super. C'est votre énergie, hein. Ça c'est vous pour dire que c'est vous, ça pourrait être au mois d'août, justement, pendant vos énergies, fin juillet, début août, là. Ici, il pourrait y avoir une rencontre extrêmement harmonieuse, ici. Même longueur d'onde, pour vous, les lions, hein, vraiment, cet été. Allez, un petit conseil ici pour vous, côté sentimental, les lions. Un petit conseil côté sentimental pour les lions qui vont regarder ces vidéos.
On vous dit de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. C'est exactement ça. Donc ici, soit vous avez du coup une problématique avec dans votre couple, et là il va falloir lâcher, mettre fin à la relation, ou soit il y a une problématique que vous ne voulez pas lâcher, eh bien il va falloir lâcher un peu de lest, hein. Lâcher un peu de lest pour laisser un peu d'air passer, mettre du souffle ici au sein de votre couple et pouvoir atteindre une forme ici d'harmonie. Quant au célibataire ici, le lâcher prise, c'est lâcher le passé, hein, le lâcher le passé et aller de l'avant, ce que vous allez de toute façon pour moi ici faire. Voilà. Allez, on va prendre quelques petits conseils ici pour vous les lions, pour terminer le tirage. On va se prendre ici une carte de l'oracle de la magie verte. Victoire avec la carte 44. Très, 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 très belle. Très belle carte. On voit que pour vous, ça va être un été. Vous allez, si vous avez eu des bas en plus auparavant, eh bien vraiment, c'est un été où vous remontez la pente, vous remontez vos énergies. Vous êtes dans la maîtrise plutôt que le contrôle. Et Dieu sait que les lions, vous êtes quand même des personnes assez contrôlantes. Donc, c'est super. Là, on a des belles énergies bien équilibrées. On a un travail sur soi. Vous brillez, mais à votre juste valeur, hein, voilà, dans vos bonnes énergies. Donc, c'est très, très chouette ici. Très, très beau. Alors, cette plante, non, c'est pas une capucine. Je vais pas la voir. En tout cas, vous êtes soutenu. Hein. 44, voilà, il y a vos guides qui sont bien présents et qui vous disent la victoire, elle est là, elle est pour vous. Alors, avec l'oracle de la sagesse, quel est l'autre conseil ici pour vous? Vibrez hein, cette victoire hein, pour l'obtenir en plus. Hein. Les lions ici, s'il vous plaît. Été 2023. Quel conseil pour vous? Merci beaucoup. Ici, nous avons le chaos et le conflit. Carte numéro 33. Vous êtes encore une fois soutenu par des guides, les anges, qui vous voulez. Pour moi, c'est les instances supérieures, en tout cas ici. Chaos et conflit. Regardez cette image. Elle est forte puisque ici... Il y a une grosse transformation ici. Hein. Alors oui, c'est le chaos, c'est le conflit, puisque le zèbre a un habit de girafe, voilà. Mais c'est vraiment, regardez, c'est une victoire sur tous les chaos et les conflits que vous avez pu vivre aussi auparavant. Hein. Et c'est aussi pour vous dire, mais on est là à tes côtés, ne lâche rien, on est là. On est là et il y a une raison à tout ça. C'est ça qu'ils vous disent ici vos guides. C'est qu'il y a quelque chose prévu pour toi et là, c'est bon, on t'a mis sur la voie. Continue, avance dans cette direction. Je trouve ça super joli. Allez, on va prendre une carte de la voie de l'âme pour voir un peu. Pour vous, les lions. Quel est le message pour les lions? Merci. Message d'apaisement, tout va s'apaiser. Regardez, victoire sur les chaos et les conflits, tout va s'apaiser, les lions. Tout va s'apaiser, je le ressens aussi. Allez, dernier message pour vous, message de vos guides. Message de vos guides ici. Oh, bah dis donc. Alors, bonté et sagesse, rien que ça. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, c'est ça. La sagesse, ici, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et oui, je suis absolument d'accord avec tout ça. En tout cas, voilà pour vous le tirage des énergies de votre été 2023. Il y aura d'autres vidéos que je vais vous faire sur des thèmes complètement différents. C'est pour ça que du coup, je vous ai fait les énergies de l'été comme ça, afin de pouvoir, eh bien, même pour moi, me faire plaisir
Parce qu'il faut se faire plaisir aussi à soi, hein, pour donner aux autres. Donc, on va se faire des petites vidéos originales qui vont changer un peu. On va prendre des thématiques vraiment peut-être qui vont peut-être vous paraître incongrues. Je ne sais pas, on verra, vous allez voir. Mais on va essayer de mettre un peu de fun et de changer un peu les énergies de tout. Parce qu'en fait... des tirages comme ça, tout le monde en fait hein, sur YouTube, il n'y a pas de souci, tout le monde en fait. Les énergies, vous pouvez les trouver voilà, partout. Mais j'aimerais vraiment qu'on aille sur des thèmes, des thématiques qui n'ont rien à voir et qui sont un peu plus étonnantes. Donc voilà le programme pour l'été, chers amis. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous conseille d'aller voir, bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, ben, on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous.